Selon Maître André Michel, divers moun nan population an tap tann akò secteur démocratique la nan sa kap pase nan pays d'Haïti jounen jodi an, pi précisément dossier OEA nou konnen ki antre sou sol national la depi hier matin. Alors Maître André Michel li même avec kek lòt mamb nan secteur démocratique la te nan mikou la presse yon fason pou yo te intervenir sou dossier si la. Maître André Michel ki pa mete de l'eau nan bouche li, li voye dwèt sou président République là qui fait qu'on est qui ça qu'a passé en d'un pays à journée aujourd'hui président Jovenel Moïse poté beaucoup la donne. Madame Michel tout profiter toucher DG PNH là qui fait qu'on est ça qu'a passé sous Pep Matissan, ça qu'a passé sous Pep Fontamara, ça qu'a passé Bel Air et ni Cité Soleil, yo poté beaucoup la donne parce que Maître André Michel lui-même selon lui-même fait qu'on est next à eux-mêmes gain intérêt yo qui yo tiré dans ça qu'a passé population haïtienne nan journée jodia. Nous parlons sou suivre comment ça tayé nan micro collaborateur nous Maître André Michel avec quelques autres nan membre secteur démocratique là qui t'a bayon conférence pour la presse. Mais avant même que nous laissons visualiser vidéo wa, quittez pour quelques secondes pour nous saluer et puis remercier ou même qui a regardé vidéo ça ou même qui déjà abonné avec channel là ou même qui toujours a like, partager et quittez un commentaire dans chaque vidéo que nous partager ensemble avec vous. Sous channel là ou même quand vous regardez vidéo ça qui peut être beaucoup abonné avec channel là n'a invité à abonner avec channel là pour nous capable à grandir communauté à en regarder comment ça t'est dans micro collaborateur nous et puis après n'a tourner pour plus analyse sous dossier ci là. Premier élément, nous connaissons nous toutes n'a tendre position secteur démocratique là et c'est pas nous mêmes seulement comme journalistes, population en général, diaspora, depuis avant-hier, il y a tant de positions secteur démocratique et populaire sous mission spéciale OEA qui en Haïti, qui matin là, commence à rencontrer une série d'acteurs politiques dans l'opposition, dans la société civile. L'information dans le sujet ça qui s'allie. Effectivement, secteur démocratique et populaire, à travers porte-parole de Maître André Michel, te recevoir une invitation de bureau permanent OEA en Haïti. Et d'après invitation ça, nous te supposé, jeudi à 3h, rencontrer avec la délégation du Conseil permanent de l'OEA qui de passage en Haïti dans le bureau permanent OEA dans Pétionville. Nous t'invitons nous pour nous te rencontrer. Nous connaissons une mission spéciale qui est composée de 5 ambassadeurs. Ambassadeur américain dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur Grenadine Saint-Vincent dans l'OEA, ambassadeur Équateur dans l'OEA. Après débat, vous connaissez le secteur démocratique là, ce n'est pas 2 mondes qui la donnent, ce n'est pas 5 mondes, ce n'est pas 10 mondes, c'est large. Après débat, dans le secteur démocratique et populaire. Après consultation dans le tout dirigeant national, après nous fin consulter toute représentation secteur démocratique là à l'échelle départementale, dans chaque département, là nous fin parler avec représentants secteur démocratique là dans la diaspora, ça veut dire États-Unis, Canada, en Europe, République Dominicaine, un peu partout à travers le monde, Brésil, Chili. Nous arrivons à la conclusion ça, et la nouvelle est claire, secteur démocratique et populaire, il n'a pas participé dans la rencontre qu'a faite avec l'OEA jeudi. Nous étions supposés aller dans l'OEA jeudi à 3h, à rencontrer les membres de la délégation, hein, ensemble avec l'autre monde qui est sous terrain politique là, mais la décision qui a été adopté
je dirais même à l'unanimité, c'est que le secteur démocratique et populaire, par rapport à sa ligne de combat, par rapport à engagement politique, par rapport à responsabilité, n'est pas capable de participer dans la réunion avec l'OEA. C'est la décision du secteur démocratique et populaire. On ne va pas participer cet après-midi à cette rencontre avec la délégation, avec la mission spéciale du Conseil permanent de l'OEA. Mais comment nous faisons ça? De toute façon, nous avons diplomatie. Nous sommes des hommes et des femmes d'État. Nous écrit un document de 9 pages et nous allons le distribuer là. Il traduit en anglais son document en français. Une traduction créole qu'a fait. Son document de 9 pages. Dans le document ça, que nous voyons by M. Cristobal Dupouille, qui est le représentant permanent de l'OEA en Haïti, que nous voyons by ambassadeur américain dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Saint-Vincent Grenadine dans l'OEA, ambassadeur et Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur et Équateur dans l'OEA qui fait partie de mission, hein? Nous disons très clairement, le secteur démocratique et populaire n'est pas capable de participer dans la rencontre aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, nous estimons, le secteur démocratique et populaire estime que l'OEA a un comportement de complaisance politique dans la crise. Et les gon responsabilité morale et politique dans la crise pays d'Haïti à vivre aujourd'hui. Nous dit dans le document ça que OEA assisté, OEA fait mengel pendant Jovenel Moïse, te gen plus passé 7 élections pour te faire dans le pays à pas faire. OEA fait mengel pendant Jovenel Moïse a crasé la justice. OEA fait mengel pendant Jovenel Moïse crasé la police, OEA fait mengel pendant Jovenel Moïse crasé le Parlement. OEA fait mengel pendant Jovenel Moïse a violé le droit de monde, pendant Jovenel Moïse a massacré le monde. Nous disons, OEA fait mengel pendant Jovenel Moïse a massacré, assassiné le monde, la Saline, Belle, Cité Soleil. OEA fait mengel pendant Jovenel Moïse avec le gouvernement l'a metté Genève dans le pays qui a kidnappé le monde, violé le monde, tué le monde. Nous dit pour raison fondamentale ça, secteur démocratique et populaire, faire de lance de cette bataille, il n'est pas capable de participer dans la rencontre avec la mission spéciale l'OEA, parce que l'OEA a une complicité politique, il a une responsabilité morale dans la grave crise qui a crasé le pays aujourd'hui. Mais deuxième raison fondamentale, l'OEA, c'est une organisation à travers M. Almagro qui prend position très clairement, qui dit mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2022, alors que la constitution haïtienne est claire, en son article 134-2, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin depuis le 7 février 2021. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale, le pouvoir judiciaire, le CSPJ, lui prend une résolution de constater mandat Jovenel Moïse fini. Malgré ça, l'OEA a besoin de l'autre bagage. Il y a des universités américaines, Harvard, New York et autres qui disent mandat Jovenel Moïse fini. Les barreaux d'Haïti, la Fédération des barreaux, ils disent mandat Jovenel Moïse fini. Toutes les structures de la société civile, ils disent mandat Jovenel Moïse fini. Gagner tout secteur protestant qui dit mandat Jovenel Moïse fini. L'église catholique à travers la conférence épiscopale d'Haïti lui prend position très claire côté le reconnaître mandat Jovenel Moïse fini. La diaspora haïtienne reconnaît mandat Jovenel Moïse fini. Il y a des congressmen américains qui reconnaissent mandat Jovenel Moïse fini et que pas qu'à gagner élection avec Jovenel Moïse. Malgré ça, l'OEA continue à supporter Jovenel Moïse. L'OEA continue à parler de l'élection. Et nous dit pour toute raison ça, yo, le secteur démocratique et populaire, faire de lance de cette bataille, n'est pas capable de participer dans la rencontre avec l'OEA. Parce que l'OEA a une responsabilité morale et politique dans la crise là. Parce que l'OEA prend une position qui dépamment
avec la position de la Constitution sur la fin du mandat de Jovenel Moïse. Mais nous disons, dans cette situation, nous ne pouvons pas répondre. Maintenant, l'OEA, lorsque la communauté internationale il va comprendre que effectivement mandat Jovenel Moïse finit, que effectivement pas capable de gagner élection avec Jovenel Moïse, lorsque la communauté internationale aura compris que pas une cohabitation qui est possible avec Jovenel Moïse, la communauté internationale la comprend que le seul débat qui s'impose aujourd'hui en Haïti, c'est qui Jean n'a fait article 134-2 de constitution à respecter. Comment n'a facilité et que crise la résoudre, prisonniers politiques libérés, yo suspendent tout le monde dans le quartier populaire. Comment n'a facilité l'installation de maître Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, que nous avons choisi pour diriger la transition de rupture. Peuple a acclamé déjà, et bien le ça, secteur démocratique là, a gardé qui ça est capable de dire avec la communauté internationale là. Parce que mes chers amis, en ce qui concerne le choix de maître Joseph Mécène Jean-Louis, le secteur démocratique et populaire a une position morale. Parce que pour nous, il n'y a pas de politique sans conviction, il n'y a pas de politique sans éthique. Moi, rappelez-moi, 7 février dans la soirée, moi, j'ai fait partie de une délégation de dirigeants politiques. Je ne vais pas citer nos monde parce que je ne vais pas dénoncer personne. Nous étions à la caille, Joseph Mécène Jean-Louis. Nous n'allons pas là avec lui. Le ça, toute classe politique là, était bien content. Là, nous arrivons à la caille, Madame Mécène Jean-Louis, il était très réticente. Madame nous dit, bon, Jovenel là toujours pour qu'on aller, pour que ça nous prenne permettre Mécène, pour nous dire, pour l'accepter, pour le vice président provisoire. Nous connaissons Jovenel Moïse qui a voulu assassiner, il a voulu tout yel. Bagaille ça a voulu mettre menace sur nos familles. Moi, je parlais dans le téléphone, je sois ça, avec petite fille, petit garçon. Il y a un en Haïti, il y a un qui est à l'étranger. Je dis, mais papa, je ne suis pas capable de prendre un gros risque, yo. Parce qu'on connaît. Papa, nous ne voulons pas tellement rentrer dans la politique, il ne pas jamais faire politique dans la ville, c'est un juge, il était toujours là, c'est toujours un magistrat. Mais Mécène Jean-Louis a tranché ce soir-là, avec autorité, avec liberté, avec autonomie. Mais Mécène Jean-Louis a dit, à mon âge, il est venu le moment de me mettre au service de mon pays. Et pour cette raison fondamentale, étant donné que CSPJ, le pouvoir judiciaire codépositaire de la souveraineté nationale, il prend une résolution du constaté mandat Jovenel Moïse finit déjà, et que là, on vacances présidentielles, moi-même, Joseph Mécène Jean-Louis, grand papa, c'était petit Jean-Jacques Dessalines, garçon-canson, grand maman, sorti dans la famille Jean-Jacques Dessalines, garçon-canson, moi-même tout, moi c'est descendant du général Jean-Jacques Dessalines, garçon, moi accepté pour moi servir pays. Moi accepté avec nous, messieurs, dames politiques, yo, messieurs, dames société civile, yo, moi accepté pour me jouer le rôle président provisoire et m'a fait déclaration, hein, même si après, je vais étouiller, même si après, je vais mettre du feu la caille, moi, m'a fait déclaration, m'a pris responsabilité avec nous. Laisse ça, de 11h30 du soir, je prends dans minuit. Le mécène campé devant nous lui dit ça, tout le monde tremblait. C'était un homme courageux. C'est un homme courageux qui a décidé en toute conscience, en toute liberté, contre la position de sa femme, contre la position de ses enfants. C'est un homme d'État. Voilà pourquoi nous disons que nous devons respecter les sacrifices de ce magistrat de carrière. Nous devons respecter et apprécier les risques que famille prend et l'accepter d'entrer dans le bagage. Et tout de suite après, Jovenel Moïse révoquait Mécène Jean-Louis comme juge à la Cour de cassation. Tout de suite après, Jovenel Moïse mettait interdiction de départ contre Mécène Jean-Louis. Jodi a, si Mécène Jean-Louis a besoin de l'hôpital au Canada, il n'est pas capable d'aller. S'il a besoin de l'hôpital aux États-Unis, il n'est pas capable d'aller. Jodia, c'est une affaire de morale politique. Nous ne pouvons pas lever un matin
quoi la poko chanter, on froid pour nous oublier, nous te choisi Joseph Messin Jean-Louis. Voilà pourquoi le secteur démocratique et populaire réitère son attachement au choix de maître Messin Jean-Louis, au choix de ce magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation pour diriger la transition de rupture. Et à celles et ceux qui étaient comme nous, autres du secteur démocratique et populaire, impliqués dans ce choix, dans le choix de maître Joseph Messin Jean-Louis, nous voulons leur dire, attention, on ne fait pas de politique de cette manière. On ne fait pas de politique de cette manière. Écoutez, il ne faut jamais en politique échanger ses convictions en échange.